Amen. Amen. Merci de tout cœur, bienvenue, bien-aimé, sur la ligne de prière des sœurs. Thank you, beloved. Welcome to the prayer line of Sierra Minute. Le Seigneur est prêt à voir encore au milieu de nous. The Lord is here this evening again in our midst. Il a dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom. Je suis là. He said where two or three are gathered in his name. He is there. Lève ta voix. Bénis-le pour son amour et pour sa fidélité. Sa fidélité à ses promesses et à sa parole. Beloved, let's raise our voices and thank him. We're going to thank him for his love. And thank him for his faithfulness to his promises. When he says something, he will do it. Là où tu te trouves, pense à tout ce qu'il a dit pour toi. Et remercie-le parce que c'est déjà accompli. Quand il dit un mot, la chose arrive. Même si toi, tu n'as encore rien vu, remercie-le. Beloved, bow before him and thank him for every single thing he has said about you. Has been accomplished, even if you don't see anything now. What he says, he will do. Lève ta voix et merci-le. Your voice, raise your voice. Let's thank him. Prions ensemble. Let's pray. Et pour nous sauver, dans le désert, nous Papa, Papa,
Beloved, this evening we have a prayer for the day.
And our theme of the day was teach us to do your will. Dieu a une volonté pour chacun de nous, pour chaque famille, pour chaque nation, pour son Église. God has a will for each one of us, for each family, for each nation. He has a will for each congregation that he called. He has a will. Il dit dans sa parole, je connais les plans que j'ai formés pour vous donner un avenir. He says in his word, I know the plans I have prepared for you to give you a future. Quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, va se retrouver là où Dieu veut qu'il soit. Person who walks according to the will of God, who does the will of God, we end up where God has prepared them for in the future. Et c'est ça que le diable craint. Il a peur. Et les enfants de Dieu soient équipés, marchent dans l'autorité, soit un instrument pour l'établissement du royaume de Dieu. The enemy is afraid of those people who do the will of God because they walk in authority as instrument of God to establish the kingdom of God. Comme il a envoyé son fils est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Ceux qui sont les disciples de son fils font la même chose. As he sent his son, the Son of Man came to destroy the work of darkness. Those who are followers of that son, they do exactly the same thing. Voilà pourquoi le diable a peur des gens qui connaissent et qui obéissent à la volonté de Dieu. That's why the devil is afraid of people who know and who follow, who obey the will of God. Il investit pour que les gens ne connaissent pas, soit embrouillé et les gens désobéissent. He invests so that people will not know, they will be confused and they will disobey. Comme il a fait pour Adam et Eve, as he did for Adam and Eve. Et quand ils désobéissent, eux-mêmes ouvrent la porte pour que les diables viennent détruire, voler et tuer. When the people disobey, they go out of the will of God. It is an open door for the devil to come, kill, destroy, and kill. C'est comme ça que la mort est entrée. C'est comme ça que quand ils ont eu des enfants, l'un a tué l'autre. That's how death
Eve had children. One killed the other. Bien-aimé, la décision de chercher à connaître la volonté de Dieu et de marcher dans la volonté de Dieu est importante pour toi et pour toutes les générations qui viendront après. Beloved, the decision to know, find the will of God, commit to obey and walk in the will of God is crucial for you and I and the future generation. Ça doit être pris très au sérieux. It has to be taken very seriously. Même quand Jésus est venu, le diable a essayé. Jésus a dit, par ma volonté, au Père, que ta volonté soit faite. Me voici au Père pour faire ta volonté. Even when Jesus came, the devil tried. Jesus said, no, not even my will, but thy will be done. I have come to do your will. La décision de chaque vrai enfant de Dieu et vrai disciple de Jésus chaque jour doit être de s'offrir à Dieu. Seigneur, me voici, je me donne pour faire ta volonté. Every day's decision for a true child of God and a true follower of Jesus Christ should be to do as Jesus said every day, Lord, here I am to do your will. Nous devons avoir aucune autre raison de vivre. D'accomplir, de marcher dans le plan que Dieu a préparé pour nous. We shouldn't have any other reason to be alive than to walk into the plan that God has prepared for us in obedience. Bien-aimés, nous allons prier. Lord, we're going to pray. Le roi David disait, Seigneur, enseigne-moi tes voies, enseigne-moi tes préceptes. King David prayed, oh Lord, teach me your ways, teach me your precepts. For you have established your laws. Et pour que nous puissions être capables de le faire, nous devons passer du temps avec Dieu comme notre maître a fait. Temps personnel, de prière personnelle. Il priait matin et soir seul dans la présence de son Père pour écouter, apprendre. Qu'est-ce que je dois faire? Et il a appliqué exactement ce qui sortait de cette rencontre personnelle. To know it, we have to do what our master did. Every single day, morning and evening, he had a personal time encounter with the Father. To hear from the Father, receive from the Father, and he made sure during the day, I do exactly as the Father said. Et ce n'était pas seulement le matin. En marchant, il avait les yeux fixés sur son Père à tout moment. Il a dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire.
En d'autres termes, quand Dieu dit fais ceci, dit papa, comment on le fait? Papa montre, alors moi je fais. It wasn't only in the evening or in the morning. Constantly during the day, he had his eyes on the Father. Not on the world or the things of the world. No, the Father. Because he said, I do only what I see my Father do. In other words, Father, you say to do this, how could I do it? And the Father does the demonstration. Then I do exactly what I see the Father do. Oh, je prie qu'à la sortie de ce temps de jeûne et de prière, notre marche change réellement. Amen. Oh, I pray that at the end of this time of fasting and prayer, our walk will change. Et va refléter la décision de fixer les regards seulement sur Dieu. And reflect the decision to place our eyes only on the Lord. Et de prier and pray. Ce sont ces deux choses qui ont manqué dans la vie de Lot. Et nous voyons tout ce que ça lui a coûté. Those are the two things that were absent in Lot's life. And we see what it cost him. Il regardait les choses, ce qui attire les yeux. Et il ne priait pas. He was looking at things, attracted by things, deciding by attraction. He never prayed, he never inquired of God's will. Bien-aimé, nous allons prier. Demande à Dieu de te faire entrer dans l'école de ceux qui marchent comme son. Ask you to put you in the school of those who learn how to do exactly as Jesus did. Hey, pour prendre le temps de prière personnelle, chercher Dieu chaque jour au sérieux. Lire sa parole pour qu'on s'habitue à sa voix au sérieux. Et obéir à ses instructions chaque jour au sérieux. Avoir tes yeux fixés sur lui à tout moment. Et les oreilles écouter lui à tout moment. Écouter sa voix à tout moment au sérieux. Lève ta voix et prie. Parle à Dieu. Raise your voice and pray. Let's talk to God. Shekere banaya. Rabate keni omoko yashanda la mana. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, oh, Seigneur. Yela mashanda kola bashekere ya baba baba. Oh, shekere baba para mashanda. Mashanda. Comme la biche soupire auprès des eaux. Que j'ai soif de toi. À tout moment, je te veux. Mais ouvert à tes intentions. Je vois
Yes. Is perfect.
Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant demander la miséricorde de Dieu. Beloved, we're going to now ask the mercy of God. Combien de fois avons-nous fait comme Lot? How many times have we done like Lot? Nous nous sommes déplacés, on a pris des engagements, on a pris des décisions sans consulter Dieu. How many times we have decided, moved, made the commitment without inquiring of the Lord? Et aujourd'hui, ça nous a coûté. And today, we can see what we have lost. Nous allons prier et demander la miséricorde de Dieu. We're going to pray and ask God's mercy. La miséricorde de Dieu. Il vient au secours. Come to the rescue. Des situations de honte, comme Lot, qui viennent à notre secours. Là où nous avons perdu, qu'il restaure par sa grâce et sa miséricorde. We have, where we have lost, let's ask the mercy of God to restore by His mercy. By His mercy. Prie pour toi-même. Prie pour ceux qui te sont chers. Prie. Demande la miséricorde de Dieu. Pray for yourself, pray for everyone that is dear to you. Que Dieu brise les chaînes qui se sont installées à cause de la désobéissance. May God break the chains that has bound us because of disobedience. Les années que les sauterelles ont dévoré à cause de notre désobéissance. Que le Seigneur nous accorde sa miséricorde. Qu'il vienne les restaurer. Years that the conqueror worm have destroyed because of our disobedience. But God's mercy. God's mercy to redeem the time. Prions. Let's pray. Oh, nous sommes assis à voir qui sont les chrétiens. Le manque de au Seigneur. Ta parole de tous ceux qui sont élevés, qui pardonne et les dieux qui restent. Je suis allé encore avec Dieu, là.
C'est vrai que nous avons oui, Baba. La gloire du deuxième dans les gens qui te sont proches, tant que ces gens-là le sachent.
prie que Dieu te donne le livrement et que Dieu t'aide à marcher dans l'amour. Prie que Dieu te donne le discernement et Dieu t'aide à marcher dans l'amour. Beloved, when you decide to walk in obedience, the devil will not just pack up and go, no. He will come. Sometimes disguised as an angel of light. Sometimes he will even attempt to enter into people that are close to you, that can influence you without them knowing. Pray for God to give you discernment and for you to walk in love. Pray for God to give you discernment and to walk in love. C'est ça que nous voyons. Il a essayé de faire ça avec notre sauveur, avec notre maître. Mm-hmm. He tried doing it with our master. Mm-hmm. Quand Jésus a décidé, je vais mourir. Il a dit à ses disciples, je vais mourir. Je veux que vous les sachiez. Immédiatement, Pierre a dit non. De toi, tu ne mourras pas toi. Pierre était la personne la plus proche. Tu touches à Jésus, Pierre te coupe l'oreille. Mais le même Pierre ne savait pas que c'était pas lui, c'était le diable. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Quelle surprise! When Jesus made up his mind, I agree with the Father. I am dying. And he told the disciples, I will die. They will arrest me, kill me, and I will die. And come back. Peter said immediately, no, not you. It's not happening. Peter did not know. It wasn't him. He said with all the love and the desire to protect Jesus that he had, but he did not know. You can open the door to the devil and you don't know it. Il ne savait pas. Tu peux ouvrir la porte du diable et tu ne connais pas. Jesus said, behind me, Satan. What surprise! What a surprise! Parce que Jésus pouvait discerner clairement. Le diable ne peut pas se déguiser, essayer de se cacher, de se camoufler. Jésus voit. Il a les yeux ouverts. Prie pour que Dieu te donne le discernement. Deuxième chose, Jésus a chassé le diable, pas Pierre. Il a gardé Pierre. Parce que Pierre était un don que Dieu lui a donné. Second thing, Jesus kept Peter, rebuked, and kicked out the devil. Not Peter, because Peter was a gift from God to him. Il n'a pas dit, oh, toi tu te laisses entrer comme ça par le diable, c'est fini, tu vas plus, je te laisse plus les responsabilités de l'église. Non, pas toi, non. Il a décidé de prier pour Pierre. Il a commencé à prier spécifiquement pour Pierre. Quand le diable est revenu encore, il a échoué. Parce que la prière de Jésus a précédé le diable. Jesus decided to pray for Peter. When the devil came again looking for Peter, he found Jesus' prayer ahead of him. Et Pierre est devenu cette pierre-là sur laquelle Jésus a bâti son église. Peter became that Peter upon which Jesus built his church. Pray pour toutes les choses, le discernement et l'amour. Pray for those two things, discernment and love. Let's pray. Prions l'Éternel. Seigneur, ouvre nos yeux.
Et le diable ne nous trompe. Même quand il a... Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Je vais prier pour clôturer ce moment. Reste dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur nous aide jusqu'à la fin. Cette nuit, chaque vie, chaque famille, entre tes mains pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen.